Quel âge avez-vous, les enfants ? 6 ans et demi. Vous aimez l'atelier ? Oui. Avez-vous déjà fait de l'équitation ? Oui. Comment s'appelle votre poney ? Amandine. Et l'autre ? Nougatine. Nougatine. Elle s'appelle pas Amandine. Si, elle s'appelle Amandine. C'est parti. Aimez-vous transmettre votre passion pour les chevaux ? Oh oui, toujours. J'adore ça parce que c'est ce qu'on m'a... Oui, tu peux m'appeler. C'est ce qu'on m'a transmis quand j'étais petite et j'adore voir des enfants qui s'amusent avec des poneys. Donc oui. Pouvez-vous nous montrer votre matériel ? Alors notre matériel, bon alors là c'est très simple. On a une selle. Donc ça c'est une selle qui est adaptée pour les petits. D'accord ? Pour éviter qu'ils tombent. Donc il y a une croupière. Là, c'est fait pour qu'elle n'avance pas la selle. Un amortisseur pour protéger le dos du poney. Décalez-vous un peu, Marwan. Marwan, c'est quoi ça ? Tu te rappelles ? Un tapis. D'accord ? Donc après, là, c'est la première fois où je leur mets le filet pour qu'ils dirigent un peu tout seul. Donc normalement, j'ai un licol. Donc ça, c'est la longe du licol. Et après, là-bas, donc, on a des cônes avec des piquets où on met des tasses. Non, donc c'est ça, c'est des cerceaux avec un plomb, c'est le fait de jouer en fait. Donc généralement, quand on joue, c'est plus facile après de savoir diriger, etc. Les enfants sont sages ? Alors oui, des fois un peu excités. Mais bon, on essaye de calmer ça parce qu'avec les poneys, il faut être super, super attentif. Il faut faire très attention parce que des fois, par exemple, elles n'aiment pas du tout se faire brosser. Et donc des fois, elles risquent de mordre. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez calme avec les poneys. Combien de poneys proposez-vous aux enfants ? Alors ici, on en a amené 3. Donc il y avait un cheval et donc les deux poneys. Et après au club, on en a une quarantaine. Ok. Voulez-vous bien faire une photo de groupe ?